Bonjour à toutes et à tous, et aux autres aussi. On ne laisse personne sur le bord de l'amour. Et oui, parce que c'est une vidéo et on les affectionne, on doit se le dire. Les pires cadeaux de couple. Et en plus, on est aux approches des fêtes. Et donc ça prend tout son sens, c'est maintenant là. C'est vrai, c'est là qu'on commence à réfléchir. On aime bien parce que c'est des erreurs qu'on pourrait faire. Mais des fois on a envie d'acheter. Et on se dit là, on aide peut-être les gens à ne pas faire ces erreurs là. Bien sûr, donc si vous êtes en couple, n'hésitez pas à prendre des idées. Si vous ne l'êtes pas, et on a une petite surprise. Oh, c'est une vidéo qui est en collaboration avec Fruit. Donc merci à Fruit de nous accompagner sur cette vidéo. Fruit, vous connaissez, tu connais bien, c'est une application donc de rencontre. C'est vrai, j'en ai déjà parlé moi sur mes Devine le couple avec Fabien Olicard. Exactement. Nous on l'aime bien parce qu'elle est fraîche, elle est originale, elle est rigolote et elle casse un peu les carcans. Chapeau sur carcan. Tu l'aimes bien carcan ? Bien utilisé. Par rapport à d'autres applications un petit peu plus formelles entre guillemets. Donc Fruit, c'est une application de rencontre pour des personnes avec les mêmes envies que toi. C'est garanti, donc sans jugement, c'est honnêteté et ça casse un petit peu les préjugés ou les clichés comme quoi les filles voudraient des relations sérieuses et les hommes voudraient des coups d'un soir. Là, tout est entremêlé. On va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Donc par exemple, comme vous le voyez, vous pouvez rencontrer des gens en fonction de vos envies et de leurs envies et de faire un smoothie, c'est-à-dire que vos fruits se combinent. Alors on a par exemple la cerise. Pour trouver sa moitié, donc là c'est c'est sérieux. Hashtag sérieux, c'est marqué hashtag sérieux. On a raisin. Pour un verre de vin sans se prendre la grappe et on est client des jeux de mots, hashtag pas de coup d'un soir. Et là c'est de la discussion et on verra bien. Ce qui peut être embêtant, c'est quand toi t'as une envie genre d'avoir une relation sérieuse et en face t'as Terminator. Donc pastèque. Pour des câlins récurrents sans pépins, hashtag sex friends. Oh d'accord, là c'est clair et net. On se voit le samedi, on fait des câlins, mais on se voit pas le lundi. Voilà, on se voit pas le lundi. Pêche enfin, pour une envie de pêcher, hashtag ce soir. Donc là c'est pour se faire plaisir le soir même. Et également un truc hyper sympa, Fruit, c'est ce qu'on appelle des questions juteuses. C'est-à-dire, ils ont d'ores et déjà, parce que c'est très difficile de faire une première approche pour éviter le coucou. Tu rappelles de ASV ? Âge, sexe, ville. Oh, c'est vieux ça. Donc, c'est des questions originales, rigolotes, où les deux doivent répondre et ça engage la conversation. Mais on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble. Donc là, par exemple... D'accord. Fais du smoothie, là. Tente un truc. Bah là, pour l'instant, je vois avec qui je partage ma grappe. D'accord. Donc là, c'est pas smoothie. Là, c'est pas smoothie. Ah, c'est là, smoothie, ça. Tu veux un smoothie ? Un smoothie, je vais vers la droite. Oh, elle, c'est quel fruit, là ? Parce que elle monte le raisin, là, déjà. Hein. Ah oui, effectivement. La grappe, là. Donc voilà, c'est très, très simple d'utilisation. Je la trouve, cette appli, très, très fraîche. Donc pour ceux qui veulent rencontrer, se faire plaisir, peut-être créer une véritable histoire d'amour, allez télécharger Fruits. Le lien est en bas, en dessous de la barre de description. On vous souhaite énormément de fruits et de bonheur. Pierre, on va commencer. On va un petit peu savoir si on prend les mêmes cadeaux et puis découvrir des belles choses. Premier cadeau. On a un oreiller pour deux. Très très bien. C'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est vrai que quand tu dors avec quelqu'un, tu sais pas, ton bras des fois il se retrouve comme ça. Bien sûr. Et tu sais pas ce qu'il faut dire. Bah c'est la pire position quand tu dors avec une fille, c'est cheveux qui sont un peu dans la bouche ou t'en as un peu, voilà, ça t'empêche de respirer. Bras totalement engourdi, endolori. Et elle qui te dit oh je suis si bien. Oh, je suis bien, oui. Je pourrais rester là des heures. Non. Et là c'est parfait parce que tu places ton bras dessous, c'est bravo. Ouais. Bah là on valide. Par contre, on est d'accord qu'ils dorment sur un plancher. Hein. Oui, non, par terre. Attends, c'est une... C'est une médaille qui reprend la façon dont t'as demandé ta copine en mariage. Tu te fais grave... Tu vois, par exemple, nous, patinoire. Ouais. On aurait la médaille... Oh, il faut... Eh, on se la commande. Je suis chaud. Hein. Patinoire, on se la met en médaille. À genoux devant moi avec ce geste, sur une médaille, pas sûr de la signification. Oh, là, je te laisse. Oh, là, je te laisse. Là, c'est ton domaine. I love you very much. C'est mauvais dans le jeu de mots, dans le cas. Tout est mauvais. Donc t'achètes pas peut-être ? J'achète du coup. Très très bon cadeau. Alors là, je dis un grand oui. Ah ouais ? Alors là, je dis un grand oui. Pierre ? Ouais ? Les trois pires choses quand tu prends un bain à deux. Et tu sais qu'il y a des choses, c'est pas possible. Le mal de genou. Qui s'emboîte mal parce que c'est trop petit. Donc en fait, il y a le mal et il y a le froid. Il y en a un qui doit se sacrifier. Il y en a un qui est en PLS à un moment donné. Ouais. Le froid au genou qui ressort. Bien sûr. Forcément, la nuque d'un des deux. D'un des deux protagonistes sacrifié aussi. Robinet dans le dos. Soit il est dans le dos parce qu'il était là, et donc il est un peu nuque. Soit t'as robinet de côté et il toque le genou. Ouais, il toque. Et il peut pas. Et pour moi, t'as le truc de c'est jamais à la bonne température pour les deux. Il y en a un qui a froid, l'autre qui a chaud. Donc c'est un
un grand oui. Là-haut, là, c'est chacun son délire. Alors, t'as moins le côté sensuel parce que t'as pas de toucher de corps, on va se dire la vérité. Tu peux dire rejoins-moi faire le petit smoothie. Donc, du coup, t'as re mal au genou, re la nuque et re l'autre qui est trop froide. Ouais. T'en as pas toujours un qui veut quand même un peu se laver pendant que l'autre il dit, mais là, on est là pour chiller. Mais t'as l'autre qui veut se laver les cheveux quand même. La boule de Noël photo. Ouais, ça c'est bon pour les fêtes. Après, ça reste quand même bien beau face. Mais bon, c'est ce qu'on aime aussi dans les pires cadeaux de Noël. Et ça, c'est le genre de boule que tu remets dans ta boîte de boules de Noël, parce que tout le monde a une boîte de boules. La boîte à boules de Noël. Et 2 ans après, bah, la fille, c'était ton ex. Oh, c'est... Et ça ressort. Aïe, aïe, aïe. Donc, nouvelle meuf. Ouais. Tac. Nouvelle boule. Ouais. Du coup, est-ce que ton couple, il sent le sapin? C'est bien. Ah, ça me fait mal à la tête, là. Le Scrabble de l'amour. Donc c'est quoi, c'est Ah, c'est un cadre. On dirait un truc un peu de menace de 10 commandements. Amour, fidélité. C'est en fait, elle te rappelle un petit peu les choses. Tu dois arrêter de faire le malin. Et puis tu sais que affection. Si ça se passe mal, elle va rajouter au crayon infidélité. Avant de partir. Émotion. Oh le mariage en subit. Un peu en menace. Oui. Ça c'est non. Ça c'est un grand non. Pull down. In case of emergency. Toi qui voulais du beau face. Ouais. Tout est bon dans le caleçon. Ça, c'est très Morgan VS, ça. Il l'a déjà. Ouais, c'est vrai. On est d'accord qu'on parle de sexe. C'est pas emergency. Ah oui, là, c'est l'avant. Hein. D'accord, ok. Et c'est pas la version arrière. Parce que sinon, pull down in case of emergency. Hein. Un cocon de couple. Je vois pas l'intérêt à part mourir ensemble. Asphyxié. Si c'est pour être discret, c'est mort. Chocolat personnalisé, visage de l'être aimé. Oh, oui. Évidemment, ça va pas ressembler. Tu sais que c'est forcément raté. Puis il y a le côté je te croque le visage. Ouais, il y a le côté je te défigure. Ouais, le côté je te suce quoi. C'est voué à l'échec. Tu m'as fait le front trop grand, tu m'as fait le nez trop pointu. C'est voué à l'échec, là. C'est bien ça, je prends. Évidemment, c'est nul. Peanut butter and jelly, couple beard. Ça sert à quoi? En fait, c'est pour pas avoir froid à la barbe. C'est une écharpe de barbe. Je vois pas l'intérêt du tout là. Autant le cocon, je voyais un côté un peu on s'enferme tous les deux. Classique, très bien. Classique. Celui-là, on l'évacue, il est validé. Bien. Jamais dans, il sera jamais dans le bon sens au quotidien. Sûr, et puis oui, mais t'as pris le mien, oui, mais c'est pas grave. Non. Fesse à claque, donneur de fessée. C'est un peu plus coquin, c'est un petit peu plus pêche. Je le cale pas dans l'original, lui. Non. Et pourquoi ça serait pas le contraire? Donneuse de fessée et fesse à claque pour monsieur. Peut-être. Ah, là, c'est peut-être intéressant. Ah, sympa. Combien de disputes avec, on l'écoute en même temps, t'as tiré la tête, le truc s'en va. Ouais, mais j'entends pas, tu m'as donné le gauche. Mais non, mais c'est toi qui as le droit. Je t'ai dit, dans l'avion, il faut qu'on ait chacun le délai. Donc là, c'est parfait. C'est fait en cœur. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, ça date de 2004, mais c'est pas mal. Très bien, mais ça, c'est validé. Est-ce que c'est pour écouter Cœur de pirate? Je propose ça. Après, on va vite ailleurs. On va vite ailleurs, c'est pas grave. Le fauteuil pour couple. Ah, sympa. T'es très proche des pieds de ton adversaire. Hein. On parle d'adversaire. Oui. Non, t'es bien. Là, tu mets un plaid. Alors, par contre, si c'est pour regarder la télé, oh, t'as besoin de 2 films. Ouais, non, c'est oui. Ça en terrasse. Et lecture. Ouais. Évidemment qu'on ne lit pas. Non. J'ai vu dans l'œil le... Non. Oui. Hein? Oh, ça va être intéressant, ça. Ça va être technologiquement intéressant. Pour embrasser à distance. C'est un capteur de lèvres que tu mets en dessous du téléphone. Mais c'est-à-dire qu'il recrée la même bouche? Bah, je sais pas. Alors ça m'a... Comment est-ce que t'embrasses? Bah, je crois que t'embrasses le moelleux, là, qui est là. Ouais. Oh, si c'est ça, c'est ouf. T'embrasses le moelleux. Il capte tes mouvements. Il les redonne à l'autre qui est dans une autre ville. Et si tu veux faire un autre truc avec... Non, mais... T'embrasses bien, mais tu mets trop la langue. Non, on reste sur la bouche. Pardon. Non, parfum. Florgasme. Ah, fleur d'orgasme. Mais le parfum est censé donner... Non, c'est l'odeur de... L'orgasme. Il a une odeur, l'orgasme. Ça dépend. Moi, j'ai jamais senti. Hein. Ouais, ça dépend par où. Bah oui, chacun, voilà, c'est chacun l'odeur de... Chacun au bois midi à sa porte de derrière. À sa porte de sortie. C'est cet humour que vous voulez, voilà. Gaufrier en forme de cœur. Là, je dis oui, le matin, quand tu prépares le petit-déj et que t'amènes ton petit cœur gaufré. Et même, je trouve que c'est pas forcément que couple, ça peut être parent, enfant, un petit cœur, ça fait toujours... La fête des mères. Exactement. Ah oui, d'accord. C'est le petit biscuit, quoi. Le petit... Eh ben, c'est sympa. Si c'est entre homme et femme ou femme et homme, c'est un biscuit. Ça marche bien. Ça marche très bien. Du coup, c'est un biscuit. Oui. Oh là, ça là, oui. Oh là, ça là, oui. Ça plus. Ça plus. Ça plus déjà. Ça me plaît déjà plus. Si c'est ça de vaso, c'est biscuit.
Oh là là, mais ça, comment ça? Le biscuit, c'est pas mal. Patch de slip pour neutraliser les odeurs de paix. Honnêtement, je pense que pour un cadeau de coupe, tu le prends mal. Le flatulence game... Papa, à quel moment, à quelle étape du couple t'offres ça? Quand ça engage la santé du couple, c'est quand vraiment ça engage la rupture, ouais. C'est que ça doit être à un niveau... Comment il neutralise une odeur, un patch? Il ressent de la chaleur. Il émane une odeur positive. Non. Si, je pense que c'est ça. Ça se pose à quel moment? Mais oui. Combien de fois par jour tu dois changer? Oh là là, hey, mets ton patch, hein. C'est pas possible, là, change de patch. J'essaie d'arrêter, je suis en patch en ce moment. Non, là, c'est, moi je veux pas y croire. Poupée vaudou. Oh, c'est pas mal ça. Attends. Genre quand tu piques, ça te donne un truc à faire. Il fait la vaisselle pendant un mois. Ouais. Ses potes ne l'appellent pas. Son ex disparaît. Et c'est plus une poupée vaudou de rupture. Tu sais, c'est le cadeau que tu peux t'offrir entre potes ou entre copines en disant allez, oublie-le. Enfin. Il a fait la vaisselle pendant un mois. Ah oui, c'est vrai. Et puis il y a marqué spécial couple. C'est vrai. De toute façon, ça, c'est ces petits gadgets, c'est toujours rigolo. Alors on a le. Oh, ça, c'est horrible. Oh, on dirait Chucky, la poupée de. Ouais. On dirait toi. Hein? Alors t'as commencé en disant c'est horrible et après ouais. T'as fini par on dirait ouais. Toi. Non, ça c'est non. Hein. Bah non, c'est horrible. Ça se veut un peu doudou, genre j'ai fait un truc à ton effigie et je le garde pour dormir. C'est horrible. C'est forcément raté, c'est forcément flippant en te réveillant. Oh là là, mais non, mais non. Mais oui. C'est beau. Alors c'est le rouge à lèvres pénis. Voilà. Le rouge à verge. Attends. Bah si, du coup c'est un rouge à lèvres, mais c'est pas les. C'est oui. Pas les bonnes d'accord, lèvres. D'accord, ils se sont trompés. Enterrement de vie de jeune fille. L'avantage de l'enterrement de vie de jeune fille, c'est que rien n'est beau pour un enterrement de jeune fille, tout convient. Voilà. Par contre, c'est plus le lendemain où t'as désoulé, t'as oublié que c'était ça et tu le sors au restaurant. Ouais, on entretien d'embauche restaurant, ouais. Ah, ça peut être compliqué. C'est ce que j'imagine ou pas? C'est un anti-stress que tu prends entre les mains, comme si à chaque fois que tu t'énerves contre ton mec. Ah, d'accord. Par procuration. Ouais. En tout cas, vaut mieux ça que sur la personne. Ah, que la vraie, ouais. T-shirt coupe. Don't go back in my heart. Oh oui, Elton John. Don't go back in my heart. Oh, ok. I couldn't be five friends. Petit jeu de mots en anglais. Jeu de mots, nous, c'est évidemment validé. Oh, tente pour les premiers. Mais qui au premier rendez-vous te dit viens, on va dans la nature? J'ai ma tante. Alors ça, en plus, si le mec dans l'hélico voit mal, il peut. Ah oui, mais oui, c'est le H. C'est une tente chambre à part. Moi, je vois une autre forme qui pourrait quand même se rejoindre dans la nuit. Il y a un petit tunnel à un moment donné. Et là, c'est la dernière image, Pierre. Oh, évidemment, les toilettes pour deux, évidemment, on les connaît. Et on avait déjà parlé des doubles. Double WC, c'est glauque, c'est naze. C'est absolument bizarre, c'est odieux. Je veux un intérêt. Tu me trouves un argument pour. C'est quand on veut ne pas se lâcher. Ouais, mais il y a des moments où faut. Faut se lâcher, ouais. Faut se lâcher. Surtout là, faut se lâcher, là. Non, j'en veux pas l'intérêt. C'est non, en fait. Ce couple ne peut pas marcher. Non. Excuse-moi, j'ai l'image du. Ah bah. Ouais. Et donc, toi, aujourd'hui. C'est le genre de cadeau, quand même, que t'es obligé d'expliquer à tout le monde. C'est un grand nom pour nous. C'était la fin. Ça me donne envie de faire une chaise musicale du. Ah, j'ai vu que ça te donnait envie d'autre chose, d'accord. Une chaise musicale de toilette. Ça serait une chaise musicale. Est-ce que je peux vous serrer la main? Bien sûr. Une chiasse musicale. Ça me fait plaisir. Ce qui vient de faire être incroyable. Pierre Croce, ton pire cadeau de cette sélection, s'il te plaît. Je pense que le plus glauque, c'est l'espèce de bisou sur téléphone portable. Mmh, ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que je pense que c'est vraiment, ça doit sentir le plastique, ça n'a aucun intérêt, ça doit même pas marcher, ça doit bugger de temps en temps. Merci Pierre Croce, c'est encore un plaisir. On adore ces petits pires cadeaux à faire en couple. Merci également à Fruits qui nous a accompagnés pour cette vidéo. L'appli, elle est vraiment très fraîche. Faites-vous plaisir. Pour ceux qui veulent télécharger l'appli, je vous mets le lien en dessous, en bas de la barre de description. Faites-vous plaisir, faites-vous des smoothies. Pierre Croce, à très très bientôt. Vive l'amour, vive les cadeaux de couple. On se souvient de l'adage, même si le cadeau est pourri en couple, c'est un cadeau qui vient du cœur. Ciao.